te mettre en début de vidéo? Non. Ah si. Attends, attends, attends. Non, c'est interdit. Ouais, je te parle. Je parle pas fort parce que c'est mon copain à côté. J'ai pas envie qu'il m'entende en fait. C'était pas prévu que je fasse cette vidéo, donc du coup je suis clairement en robe de chambre. Et est-ce que c'est grave? Non. Voilà. Donc j'ai cherché à faire un gâteau pour mon copain avec les ingrédients qu'on avait. Donc j'ai été voir dans mon placard à gâteau, dans mon tiroir à gâteau. J'ai vu qu'il y avait du chocolat, j'ai vu que j'avais de la mascarpone, du sucre glace, enfin bref, voilà. Donc là c'est un gâteau, j'ai vu c'est un gâteau sans beurre. Ce qui est pas mal parce que j'avais pas beaucoup de beurre. Je vais remettre mes lunettes. Donc ça sera un gâteau au chocolat. Ah ouais, et le nappage aussi au chocolat. Donc je vais préparer tous les ingrédients dans les bols. Désolée du reflet, mais bon, hein, je porte des lunettes, c'est comme ça. Désolée. Donc je vais préparer tous les ingrédients dans les bols. Ils vont dire, mais c'est qui ce gars? Tu vois, regarde comment t'es grand. Attends, attends. J'ai un petit. Non. Pas de ma gueule. Merde, ça bouge. Attention, ça tire. Remets-toi. Ah oui, ça tient. Putain. Attends. Attends. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Ah ouais, je m'en vais, je suis. C'est quoi ça? C'est quoi? Pourquoi t'as fait ça? Que t'étais toute petite comme ça. Allez, hop. Ah! Espèce de naine. Non, ferme la porte. Tout ça, j'ai remonté tout ça pour ça. Voilà. Bon, voilà, là on va préparer les ingrédients. Donc pour le gâteau, il faut du 133 g de chocolat noir. Ensuite, 167 g de mascarpone, 3 œufs, 50 g de sucre glace, 27 g de farine et 1,25 cuillère à soupe de vermicelle au chocolat. Moi j'ai pas. Ouais, j'ai pas du tout. Donc moi ce que je vous conseille c'est. Si vous n'avez pas de vermicelle au chocolat, je dis ça, je dis rien. Vous prenez ça. En fait, c'est du lint. Les grandes. C'est fait ça. 34% de noisettes. Chocolat noir avec de la noisette dedans. Voilà. Et moi je vais vous dire, prenez une petite tasse. Vous prenez ça et vous. Donc, faut casser. En morceaux le chocolat noir. J'ai pas terminé. Donc vous cassez en morceaux le chocolat noir. J'arrive pas. Bon mais écoute. Ça restera
comme ça. Et ensuite, faut le faire fondre au micro-ondes. Voilà. Pendant que le chocolat fond, vous prenez votre mascarpone, vous le mettez dans votre robot, tout seul en fait, pour que avec le fouet quoi. Et comme ça, votre j'arrive pas à dire ce mot. Votre mascarpone va se détendre. Voilà. Parce que là, vous voyez qu'elle est bien riche. Je le mets à 1 pour qu'il se détende. Je le mets à 1, je ne mets pas au maximum. Donc, faut ajouter les chocolats fondus tout en fouettant. Donc ensuite, il faut ajouter un œuf un à un tout en fouettant. Voilà, c'est super. Alors là, c'est la galère. Donc maintenant, il faut ajouter la farine tout en fouettant. Et ensuite, mélanger le sucre glace tout en fouettant. Je précise tout en fouettant, parce que même si j'ai un robot, vous voyez que le robot fonctionne, il y en a, ils n'ont pas de robot, donc c'est un peu compliqué. À chaque fois, j'aime bien mettre à fond pour bien tout mélanger. J'ai envie de rajouter un sachet. Un sachet là, comment ça s'appelle ? Mettez un sachet de levure chimique. Préparez votre four. Moi j'ai un petit four juste ici. Prenez plutôt ceci. Il m'est arrivé quelques mésaventures avec mes plats à gâteau. J'ai racheté ceci qui s'était fait du coup. Comme ça sur les côtés, ça c'est mieux pour démouler quoi. J'ai voulu faire un IGTV pour mon Instagram. Je sais pas si je le mettrai, mais allez-y pour voir où que je l'ai mis, ou je le mettrai peut-être plus tard, je ne sais pas. Mais pensez à le beurrer aussi. Faites pas comme moi. On beurre le fond comme les côtés en fait. Même si c'est un gâteau comme ça, beurré.
Je vais aller faire goûter à mon copain. Je fais pause. Donne ceci, très belle couleur, très belle texture. Donc j'ai que deux bras, donc du coup quand je dis crémeuse, c'est crémeuse, d'accord, c'est très crémeuse. Voilà, donc on va mettre. J'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup pour le plat que c'est. Mais en même temps, j'ai réduit un peu mes portions de d'habitude. D'habitude, je fais pour 6 personnes. Là, je fais pour 4 personnes. Donc, du coup, il y a moins de matière. Mais comment dire? Sachant qu'on est tous les deux. Si ce moule-là ne va pas, je ferai dans un autre moule la prochaine fois. Enfin, ne va pas, est trop grand quoi. Uniforme et bien. Vers la fin, je regarde si c'est bon. Je prends un petit couteau. Comme tu connais la technique, petit couteau. S'il ressort avec du gâteau dessus, c'est que c'est pas cuit. Et s'il ressort tout propre, c'est que c'est bon. Alors ça, on l'enfourne à 125 degrés pendant 25 minutes. À 150 degrés, pardon. À 150 degrés pendant 25 minutes. Alors, moi 150, c'est là. Pendant, j'ai mis, 25 minutes. Voilà. Pour le nappage, ça je vais le mettre au frais. Parce qu'on va le faire dans 25 minutes, le nappage. Ça vous dit ? Ça m'a l'air bien. Je vais peut-être plutôt vous mettre en comme ça, vu que là, on s'en fout maintenant de ce qui se passe là-bas. Ça donne ça. Plutôt pas mal, je trouve. Excusez-moi, j'ai vraiment fait un truc dedans pour regarder. Mais c'est vraiment trop beau. Bon, je vais laisser là pas trop qu'il se refroidisse tout de suite. Donc mon nappage au chocolat est là, il est encore chaud, je viens de le mettre ici. Donc là on va démouler. Voilà. Ça, oh, ça fait pas un gros gâteau. Hein. Vous avez vu? Pourtant j'ai mis pour 5 personnes. C'est pas beaucoup. J'aurais dû faire dans un plus petit moule. Non pas de me suivre sur Insta aussi, parce qu'en fait Insta c'est là où je suis le plus souvent.
Parce que là, j'ai d'autres vidéos où je suis en train de monter, faire un montage. Autant vous dire, entre les vidéos vlog où j'étais chez ma soeur avec ses enfants, je cache le visage de ses enfants, donc ça me prend un temps fou. Et la vidéo de Marie Chantal, dont je cache aussi son visage, c'est vraiment beaucoup de travail, ça prend vraiment beaucoup de temps. Mais je vous jure, à faire. Voilà, pouce bleu, abonnement YouTube, abonnement Instagram. Et ça sera déjà bien. Un petit commentaire. Commentaire en dessous, ça sera bien. Voilà, bye bye. Et à une prochaine vidéo des retours de course, je dois faire, faut que je me souvienne.